Ça, il peut être pris par contre dehors de la smoke, là ça va être dur peut-être pour lui de... Il va peut-être pouvoir faire un kill mais pas un doublé. Attention là on a été très lent côté CT, il va falloir se dépêcher. La petite mollo, on a la ah, la bonne mollo quoi. Oh là 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 là. La mollo qui a détruit ouais. Il remet la contre-pression ici dans le coin donc c'est pas mal. Ah, il pas mal, sécurise l'overhead, oh. Il se tépait derrière. Ah non mais il a raté le combo. Ah, c'est dommage ça, s'il veut revenir, faut... c'est mieux de pas rater les combos. C'est ça, c'est grosse observation. Leçon numéro 1. Leçon le technicien. Il cherche le mec qui est dans la water, on l'a vu. Là on joue safe côté Saba, c'est bien. Il faut pas se cacher, faut se cacher aussi côté avec son snipe dans la smoke. Il peut peut-être faire le double, il faut faire attention. Oh, la belle balle qui touche. Ouais, c'est bon, il y aura pas le temps là. Ah, c'est terminé, là, c'est ouais. Bien la Newzera qui a bien joué le jeu. Ouais, clairement. Là. Bien joué, clairement. C'est un très bon pas en avant de notre bon Noka qui du coup donne le ton, évidemment. J'entends bien. Oui, l'un des... Alors évidemment, le grand jeu concours sur cette Open Series, c'est de savoir qui de Karaté ou de moi-même TPK n'a pas de verre à ses lunettes. C'est un pari absolument important. Des terreaux qui n'ont pas push, il va checker. On a peur des agressions spawn, on en a l'habitude. Et là, pourtant, il n'y en aura pas. Donc c'est très bien vu de la part des terreaux de ne pas le faire. On gagne beaucoup de temps là. Oh, premier kill, attention. Oh non. On laisse un 1v2. On a l'info sur le camion. Non, c'est terrible. Non. Et le 16-14. Alors la carotte, le sparking. Voilà. Voilà. Oh non, il aurait pu. Je sais pas s'il avait eu quoi trouver une phase pour le carotte. Je pense pas, malheureusement. Ouais, c'est dommage parce que là, maintenant, beaucoup qui touche, qui est en sparking, ça va faire bobo. Ouh là là. Il va pas. Non, il aura pas le temps de le monter le level 3. Il aura pu faire le combo. Oh non, ah, Noka qui s'est oublié là-dessus. Oh, il a raté. Alors j'espère que c'est posé pour lui. Oh, le petit turn là, ça va être beau ça. Ah, dommage. Le mauvais timing de Rox. Pas de bol de la part de Rox. Il y a eu des trucs un peu chelous là. Ouais, bah, je suis étonné que Sony n'ait pas attiré. Il a peut-être. Parce que des fois, le mode spec. Non, mais des fois, le mode spec, tu vois bien. Et genre lui sur son écran, il est juste rincé. Hein. Oui, aussi. Je sais que c'est évidemment une blague. Hein. Le Tenchinan, ça c'est bien. Ah, voilà, comme ça il a perdu la barre bleue qui lui a enlevé alors qu'il goutte-mentait quand il était en soutien Z. En soutien Z. Bah attends à voir. C'est le nom officiel. Le truc, ça éteint. Comment t'appelles ça, le spark déjà? L'explosion étincelante. Étincelante, voilà. C'est beau le français. Steven, je crois qu'il a juste la langue du headshot. Je crois, côté. Oh, on a fait un bon pic là, on va peut-être réussir à l'avoir, on a quand même stuff là. Default, mais ça va être délicat. Oh, le bon frag là de la part de... Oh là là, ça régale. Et qu'il y a Bardock ici dans le coin face à Tenchinan avec le kit Gornassis pour continuer la pression dans le coin. Attention à ce light, il a sauté light pour essayer de voir s'il allait continuer son pressing. Il a failli avoir le contre-pressing avec... Ça va y être extraordinaire ce qu'il a fait là-dessus, mais malheureusement il se fait absolument contre-ouvrir face eh bien ce Bardock de l'angoisse de l'absolu. On va mettre la première niveau 1 et la deuxième niveau 1 et c'est un au revoir monsieur Tenchinan. De toute façon là on va agresser côté A, tous les deux CT. La mollo, on check quand même quad parce que la mollo elle est pas jusqu'au bout. Ouh là là, les deux la belle mollo là sur le site. Attention là, le terreau il a perdu terre. Oh là 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 là. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Prends perso, absolument, prends perso, s'il te plaît. Voilà, paf, avec le petit qui permet de mettre avec la manie derrière le premier combo. On est en sparking, je le sais, mais faut absolument prendre ce sel, je t'en supplie. 3 barres. Allez, la niveau 3, vous prenez la niveau 3. Voilà le reset. Oh là là, le dingue. Il perd pas ce Goku, il perd pas. Il perd pas. On laissera qui sont côté CT. Attention, qu'est-ce qu'on va faire là? On est côté leader au label mollo là. Peut-être le mauvais timing par contre. Oh, il va hold. Est-ce qu'il va hold? Ça va passer. Oh, la belle smoke en plus qui couvre. Oh là 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 là. C'est le boss. Oh là 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 là, mais quel premier round, le boss. Oh là là. Est-ce qu'on est en train d'assister à un Yotia qui est en train de faire un comeback de l'impossible? Oui, on te dit, le Goku avec son premier niveau 3. Je vous assure que la prochaine ouverture de garde va être absolument fatale. Et on pourrait se diriger vers un 1v1 des familles pour mon karaté. Mais là, ton ouverture de garde. Là Robino en plus qui est encore tout seul avec il est tellement en sueur là. Avec son P250, il va falloir mettre des têtes là, ça va être très dur. Fais ninja gros quanti. Ouh, les bons timings encore. Oh là j'avoue. Mais la belle tête. Oh, j'avoue le timing était quand même violent. Fénard hein. Il a la ligne, il se termine. C'est ouf quand même comment on se rend pas compte quand tu joues les timings que t'as dans les games. Mais oui, des fois c'est tellement violent. Tu regarderais tes games, des fois tu seras en mode fort. Tu t'en... Non, sérieux. Allez en tout cas le premier personnage qui est bien tombé. Un côté. Oh la mag direct, on réfléchit plus. Oh ça va, ça whiffé. Et l'autre dans le doute, il s'était relevé en pilotant avec Madame. Madame que tu pilotes, ça fait tout, les frites, le café. Ah oui, ça te paye l'addition et ça te rembourse ton crédit à la consommation. Oh c'est magnifique. Côté Jane, on a raté sa balle et on est à 24 HP, c'est dommage pour les SRAR qu'on vienne pas terminer skill. Ah oh là les deux terreaux qui sont. Oh là là, ça va être compliqué pour les terreaux. Hein. Parce que là on va ninja diffuse, attention faut cover. Oh là ça touche bien, ah, c'est bien ça. On va passer.
Voilà, mais c'est, ah, c'est mort, ouais, c'est terminé. Bien joué à eux. Bien joué, ça. Très très bien joué. Allez, faut vraiment qu'il appuie. Faut qu'il reste appuyé sur le niveau 3. Ah, ça même. Donne mon gars. Oh là là, si ça passe, je peux vous garantir que si ce comeback passe, mais alors, comme dirait l'autre, je lâche le casque et je le broie et puis je me barre. Alors là, il n'y a pas de souci. Ah, oh, le pied dans le sol. Oh, l'ouverture de M. Il a oublié le pied dans le sol. Les deux CT qui arrivent en plus côté ladder. Oula, attention. On a eu de la chance encore côté Deios, un petit peu un mauvais timing, mais c'est passé, on s'en sort. Oula, on va avoir Ninja Diffuse direct, attention. Ça va peut-être passer. Non. Oh, c'est beau. Oh, il rate ses balles, c'est passé. Non. Aïe, 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 ils l'ont fait. Croc qui fuit le FT. Ah non, Croc, t'as pas le droit de faire ça. Croc, tu suis le FT. Ah voilà, il a été ban, Shake the Worm, merci. Il méritait, ça se voit qu'il écrivait pas avec de bonnes intentions. Et ça, le modo le voit tout de suite. La modération le voit. L'encre utilisée. La calligraphie. Voilà. Très très safe, on a besoin de ces trois. Ouais, voilà, bah là, c'est la galère. Hein. Attention, il y a une smoke. Là, normalement, le mec au-dessus, il est très bien placé. Ils ont un level impressionnant quand même. Sur la Sanja. Oh, oh non, c'est pas possible. Oh mec, tellement chaud. Aïe 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 aïe. Ils ont failli se manger la même. Ils ont failli se prendre la même que ce qu'ils viennent de faire. Je suis mort. Tu mets la max Timal, oui. Ça tuera pas. Ça tuera pas, mais il y a la phase derrière. Il y a la phase, il y a la phase. Ça tuera pas. En plus, il lui donne pas de max. Ça tuera pas. Regarde, peut pas biffer. Ça tuera pas. Regarde, regarde, regarde. Ouh, non, ce perdage qui a battu complètement biffé. Pylone. Il a pylonné. Merci. Le niveau 3 qui va pouvoir passer, on va mettre le HKD et provoquer une nouvelle ouverture de garde. Et là, Gila, par contre, qui est pas donné. Perdant avec la perfect attaque, évidemment, qui va mettre dans le coin de M. Et on va pouvoir remporter. Mais non, mais il a fait le loup. Et c'est fini. Il rend fou, Gila, là. Ah là là. Et 3-1 pour Adriana qui est votre vainqueur. C'est sa pause. Ah, la belle molo en plus, mais malheureusement il n'y aura aucun CT là. Voilà, c'est terrible. C'est terminé. Aïe, ça va trop vite, c'est 6. Ils ont gagné en 12 minutes, gros. Et ouais, Jane qui s'est baladé sur les deux maps, qui a encore fait une vingtaine de kills. Ouais, il a encore 23 kills quoi. Il avait 26 kills la game d'avant, il a 23 là. Et du coup, donc cette équipe des clowns bon. Qui remporte cette finale FDJ Open Series et les 300 rouges pas de la première place.